Alors, je vous présente Patricia, qui est gérante de l'Accordé ici à Saint-Hubert. Donc, Patricia, tu vas nous parler des vêtements multicouches. Oui. Donc, pour la saison hivernale qui s'en vient, en fait, on a plusieurs trucs et suggestions de vêtements à vous proposer. Donc, on commence avec la première couche. La première couche qu'on appelle communément le sous-vêtement. La couche souvent la plus négligée, que moi, je compare souvent à la base d'une maison. Donc, si la première couche, elle est absente ou elle est mal utilisée, vous allez avoir froid. Vous allez vous retrouver à transpirer et à garder cette chaleur-là près du corps. Donc, le but premier du sous-vêtement, c'est vraiment l'évacuation de la chaleur. Donc, on le prend le plus ajusté. On s'entend qu'on veut un certain confort aussi, ceci étant. Mais le plus ajusté du corps pour avoir un contact direct avec la peau, pour permettre justement l'évacuation de cette chaleur-là. En activité physique, on le sait que peu importe l'activité qu'on pratique, on dégage énormément de chaleur. Donc, ça va être important de choisir le bon sous-vêtement pour soi. Aujourd'hui, ben, je suis en sous-vêtement en ce moment, très confortable aussi, ceci étant, de la marque Icebreaker. Icebreaker, qui est un des leaders mondiaux dans la fabrication et la production de laine de Merino. Le Merino, qui est un sympathique mouton, qui produit une très belle laine thermorégulatrice, qui va servir justement à me procurer de la chaleur en temps froid, mais aussi à évacuer cette chaleur-là pour pas que je la conserve près du corps. Donc, présentement, je porte la gamme qu'on appelle de degré 260, qui est un degré extrême. Mm-hmm. Donc, pour les gens qui sont très frileux, les femmes, on ne se cachera pas, on a tendance à être un petit peu plus frileuse. Et aussi, ben, pour les gens, justement, qui ont besoin d'un certain confort. Donc, cette chaleur-là, près du corps, justement, va nous englober, va nous aider dans la pratique d'activité physique, puis va nous permettre aussi de la porter longtemps. C'est une des particularités de la laine de Merino. On peut la porter sur un long intervalle sans sentir mauvais. Ouais. C'est une de ses particularités premières, justement, de ne pas absorber les mauvaises odeurs. Testez-le, puis on va s'en parler. Ça fonctionne très bien. Fait qu'il y a plusieurs épaisseurs qu'on peut... Oui! Comme toi, tu as le modèle le plus chaud. Moi, j'ai le modèle 260. Ouais. En effet, il existe chez Icebreaker deux autres gradations de chaleur, soit le 200 et le 150. Le 200 peut être recommandé. Je pense que tu vas nous en parler dans quelques instants, d'ailleurs. Pour une activité physique, oui, en mode automnal, hivernal et printanière, oui. Pour quelqu'un qui a besoin, oui, d'une chaleur, mais moins à un degré intense. Mm-hmm. Donc souvent, bien, les hommes, ou lorsqu'il fait un petit peu moins frais dehors, ou les gens qui évacuent beaucoup de chaleur vont opter davantage pour le 200. 150, moi je le recommande pour les voyageurs, donc les gens qui veulent vraiment évacuer de la chaleur, qui n'ont pas beaucoup de place dans leur pack-sac ou dans leur valise. Et aussi, ben, pour l'été, on sort, on veut évacuer de la chaleur, le 150 ne procure pas de chaleur. D'où le fait qu'on peut le porter dans des conditions assez intenses en termes de chaleur l'été. Donc, c'est vraiment ça la laine de Merino. Il ne faut pas oublier dans ce vêtement qu'on présente la laine de Merino parce que honnêtement, c'est naturel et c'est bien pratique à avoir. Mais pour un plus faible budget, il existe aussi du synthétique. Oui. Donc, même si on la considère quasi d'hypoallergène, il y a des gens qui réagissent un peu à la laine de Merino. Donc, il ne faut pas oublier le sous-vêtement qui est plus en synthétique. Donc, le synthétique bien, est un peu plus abordable en termes de budget. Va évacuer la chaleur un petit peu moins, par contre. Donc, ça peut être une alternative intéressante pour les gens qui n'aiment un peu moins la laine de Merino avec un budget un petit peu plus serré aussi. Donc, chose à retenir, on évite le coton. Oh, absolument! Vêtements ajustés au corps, synthétique, laine de Merino. Parlons maintenant pantalons, le choix des pantalons pour une activité physique intense à modérer, comme on peut faire dans les cours de la Meute. Donc, Patricia. En ce moment, ben, je porte un pantalon très confortable, je tiens à dire, mais surtout qui me procure une belle agréabilité de mouvement. Si vous voyez, je peux faire un peu n'importe quel mouvement, parce que vous en faites énormément, que ce soit un squat, même un sumo squat, j'aurais pas de problème pour l'exécuter. Donc, ce qu'on recherche vraiment, c'est une isolation, évidemment, parce que avec notre sous-vêtement uniquement, ben, ça ne procure pas assez de chaleur. Donc, on a une belle isolation à l'intérieur de type synthétique, un tissu très stretch. Donc, ça me permet d'être confortable puis de bien exécuter les mouvements que tu vas me demander de faire peut-être dans une des séances. Puis aussi, ce qui est agréable, on va le montrer à la caméra ou on va le montrer un peu plus loin dans la séquence, c'est la fermeture éclair qui me permet de l'ajustement autour de ma chaussure ou de ma botte. Pour les gens qui aiment quelque chose d'un peu moins cintré, on a un bon produit de la marque Maison L'Accordé à vous proposer, qui est un produit qui va venir bien couper le vent, qui est un petit peu plus résistant aux intempéries aussi, une belle isolation à l'intérieur et qui nous procure une coupe plus droite. Donc, si on ne veut pas montrer un peu trop nos formes,
bien, va nous procurer quand même une belle sensation de confort pour les gens qui aiment la marche et le patin. Je le recommande souvent en magasin pour ce type d'utilisation-là. Mais pour un entraînement avec la meute, pour un entraînement confortable, ça peut être un excellent choix aussi. Donc, chose à retenir, essayez-le en magasin, bien important, voir s'il y a une bonne ouverture. Donc, faites des mouvements qui vous demandent de la flexibilité pour vous assurer que vous ne perdiez pas votre entrejambe durant l'hiver. Mm-hmm. Puis, chose aussi à remarquer, c'est l'ouverture au niveau de la jambe. Donc, s'assurer que vous avez, comme par exemple ce modèle-ci, on peut vraiment refermer autour de la cheville, donc empêcher la neige d'y pénétrer. Donc, voilà. Alors, nous sommes à notre deuxième couche, qui est la couche intermédiaire. Patricia qui nous propose un joli manteau de la marque Artérix, marque canadienne. Un gagnant chez Artérix à tous les ans, le Atom Melté, qui est un excellent manteau pour sa légèreté, pour l'aspect aussi aérodynamique. Si vous voyez, dans le fond, il y a deux compositions de tissus pour vraiment être sûr d'être bien confortable en mouvement lors de l'activité physique. Isolation synthétique. Pourquoi l'isolation synthétique, tu vas me dire? On vient de parler de film naturel. Le synthétique va nous procurer davantage de respirabilité. Va me donner chaud au bon moment, oui, mais va me permettre d'évacuer davantage la chaleur. Donc, si on se souvient bien, avec le sous-vêtement et avec ce genre de matière-là, on a vraiment un mix gagnant pour l'activité physique. Donc, imaginez-vous en train de courir, de faire une randonnée ou juste de marcher. On a besoin de cette respirabilité-là et c'est ce genre de manteau-là qui va nous le procurer. Par contre, dans le multicouche, dans la couche qu'on dit intermédiaire, il y a d'autres alternatives qui peuvent être intéressantes aussi. Au petit manteau que j'ai actuellement, tu en as deux belles propositions. Ici, un polar. Donc, plusieurs compagnies offrent un polar comme celui-ci. Ici, on a celui, le Patagonia. Oui, qui est dans le fond, un must à avoir. Une belle épaisseur, une belle densité aussi de polar. Il y a des gens qui aiment ça. Au Québec, on est des bons consommateurs de polar. On trouve ça chaud, on trouve ça confortable, mais on pourrait le porter en multicouche. Attention de ne pas aller à une activité trop aérobique. Moi, je voudrais que pour une marche en sentier, ça peut être un bon compromis à avoir. Puis en plus, on peut le reporter quasiment à l'année longue avec nos températures un peu étranges au Québec ces temps-ci. Ouais. Ça pourrait être une très, très bonne alternative aussi. Puis ici, j'ai une autre formule de doudoune qu'on a chez Salomon. Donc, un petit peu plus chaude que celle présentée par Patricia chez Artérix. Donc, je pense que la couche intermédiaire, c'est possible de la porter également sans la couche, la troisième couche. Donc, c'est un manteau qui peut nous permettre d'être porté jusqu'à très tard à l'automne sans nécessairement ajouter un soft shell par-dessus ou bien une infirmière. Ou bien une coquille. Puis, il ne faut pas oublier aussi le duvet. Le oui. Mal-aimé duvet qu'on aime beaucoup porter dans notre manteau urbain de ville parce que très, 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 très chaud. Par contre, en activité physique, à moins d'être très frileux, d'avoir besoin de davantage de chaleur, je conseille un peu moins le duvet. Je préfère, dans le fond, avoir une belle aérabilité de mouvement, une belle évacuation de chaleur. Et ça, c'est ce que le synthétique me procure assurément. Mais ça pourrait être une belle alternative. Et ça, vous pouvez trouver ça là, facilement aussi, les manteaux en duvet. Et, dans le fond, comme tu viens de le mentionner, le polar, et on a ce petit de manteau-là aussi qui pourrait bien faire, et aussi tout ce qui est en duvet. Nous sommes maintenant rendus à la troisième couche, communément appelée la couche externe. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes comme troisième couche? On continue avec Artérix, évidemment, pour prolonger avec le type de silhouette souhaité aussi. Ce que je porte présentement, bien, c'est un classique, c'est le Beta. Dans sa version light, LT. Pourquoi light? Si vous remarquez, en dessous de mes aisselles, je n'ai pas de ce qu'on appelle communément les pit zips, donc les zips d'aération au niveau des aisselles. C'est un choix aussi. C'est pas tous les gens qui aiment ça, avoir les pit zips, quoi qu'on en pense. Sans ces fameux pit zips-là, on va gagner plus de légèreté, une certaine agréabilité de mouvement aussi, par moins d'adhérence au niveau des aisselles. Donc, je vous dirais que c'est quand même un très bon choix. Membrane Gore-Tex Pro, donc on est vraiment avec un taux d'imperméabilité exemplaire. Tissu aussi assez rigide et résistant. Donc, si on va se promener en sentier, un petit ski d'aventure aussi, les branches d'arbres ne devraient pas faire trop d'effets néfastes à notre manteau. Puis, on s'entend qu'on peut aller se rouler dans la neige avec ça sans problème. L'important pour le fit de notre fameuse coquille imperméable, c'est pas de la prendre trop grande. Parce que de cette façon-là, même si on a bien choisi notre première couche de sous-vêtement, notre deuxième couche qui est l'isolant, on va permettre les entrées d'air. Okay. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'ajustement au niveau des hanches
faut justement ne pas permettre les entrées d'air, que ce soit du vent, que ce soit des rafales de neige, de la pluie, peu importe. C'est vraiment primordial et important. Puis je vous dirais que souvent, les gens ont peur en portant les trois couches de se sentir inconfortable, de se sentir brimé dans leurs amplitudes de mouvement. Ça ne devrait jamais être le cas. Moi, ce que je suggère aux clients qui passent nous voir en magasin, c'est d'emmener leurs couches. Donc, si on est déjà à la maison, le sous-vêtement ou qui ont l'isolant, bien, on essaie tous ensemble et on voit qu'est-ce que ça donne pour être sûr justement qu'on a les tailles appropriées, on a le confort, puis pourquoi pas on se remet quelques mouvements aussi en magasin pour venir vérifier le tout et le valider avec nos conseils spécialistes. Donc super, on peut aussi l'avoir en une couche un petit peu plus épaisse. Ici j'ai un modèle avec, comme tu parlais tout à l'heure, des possibilités d'aération sous les aisselles. Exactement, ça c'est notre modèle masculin. Oui. On est encore avec la silhouette Beta qui est très 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 connue chez Arc'teryx. Par contre, on a une gamme un petit peu plus rigide, plus massive au niveau du tissu dans la coupe, d'où le fait que c'est le Beta AR. Pit zip, oui, en dessous des aisselles. Donc, pour quelqu'un qui a besoin, de, encore une fois, d'évacuer beaucoup plus de chaleur, qui veut avoir le petit vent frais au niveau des aisselles, on les ouvre assez rapidement, mais pas trop. On parle souvent d'activité physique que ça prend un délai d'un 5 à 10 minutes pour s'ajuster. Donc, ça peut être un peu plus normal de commencer l'activité et de se dire, hey, j'ai froid un peu, je me sens un peu moins bien. Donnez-vous du temps. Mm-hmm. C'est important et c'est là que le multicouche prend toute son emphase. C'est le fait de dire, bien, je commence mon activité, j'ai un peu froid. Ouf, je commence à être bien, j'ai retrouvé ma température, je commence à avoir chaud. Je vais enlever une de mes couches, justement, pour plus d'agréabilité. Donc, ce qu'on présente aujourd'hui, bien, c'est la coquille sous son format imperméable. Mais la troisième couche peut être différente de ça aussi. On parle à ce moment-là plus d'une coquille souple, communément appelée dans le jargon plein air un « soft shell », qu'on peut utiliser aussi si on n'a pas besoin d'avoir d'imperméabilité. Ou pour un sport d'endurance aérobie très élevé. Je pense au ski de fond, je pense à la course à pied. Les gens, vous ne les verrez peut-être pas avec ce genre d'accoutrement-là, mais plutôt avec un manteau qui va être très couvant, résistant au vent, qui va pas créer de la chaleur parce que dans le fond, ce manteau-là est tapissé souvent de laine polaire à l'intérieur. Donc, on va donner un autre type de chaleur, mais il va permettre une meilleure emphase sur les mouvements. Il va être un petit peu plus cintré que le manteau actuel. Donc, c'est les deux options qui s'offrent à nous pour la couche de protection, qui est la coquille imperméable et la coquille souple. Si vous voulez avoir seulement qu'une coquille imperméable qui peut vous servir plus d'une saison, on peut y aller avec un format qui est plus léger de type pack light. Donc, je pense que ça peut être une belle alternative. Oui. Moi, je peux passer mon hiver avec un modèle qui est plus léger que celui de ça-là, mais qui va me servir aussi l'été en camping pendant des gros orages. Oui, très, très utile. Puis, n'hésitez pas aussi à questionner les gens lors de vos visites en magasin. Vos entraîneurs aussi, ils s'y connaissent. Sont sur le terrain, vont pouvoir bien vous aider puis vous guider dans les bons achats aussi. Question que vous les passez plus qu'une saison, on t'entend. Oui, puis un bon truc à retenir qu'on essaie de se rappeler, en fait, c'est pour choisir ses vêtements, on regarde la température extérieure, puis on peut augmenter le degré de 10 pour nous guider un peu dans le vêtement qu'on va choisir. Donc, par exemple, s'il fait 0, on s'habille comme s'il faisait 10 degrés à l'extérieur, s'il fait moins 10, comme s'il allait faire 0 degrés. Donc, ça peut être un bon truc aussi pour s'aider à bien tempérer nos vêtements et notre corps. Pensez confort toujours, pensez à vous aussi, vous vous connaissez, vous savez de quel tempérament vous êtes, vous connaissez aussi si vous êtes de niveau débutant, intermédiaire, avancé dans l'activité que vous allez pratiquer aussi. Fait que c'est important aussi de penser à votre confort et bien évidemment de regarder Météo Média avant de partir dehors. Hey, merci beaucoup Patricia! Ça me fait plaisir, au plaisir de vous voir en magasin!